Mein Pilot. Tausend Jesu. My beloved is the most beautiful among thousand. My beloved is the most beautiful among thousand, oh, and thousand, Yeshua. May the Lord bless you this morning. We are so happy and blessed to have you with us. Bonjour, bonjour à tous ceux qui se connectent, partageons la vidéo ce matin, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour. Comment vous allez? Comment vous avez dormi? Frédérica Gloria. Shalom. Prophète. Merci. À vous aussi. Shalom. Rose et Posia. Bonjour. Nathalie Yasmine Mogo. Que Dieu vous bénisse. Taguer et inviter les gens, s'il vous plaît, inviter vos maris, inviter vos épouses, inviter les hommes de Dieu, inviter les prophètes, les pasteurs, tout le monde, tous les saints ministères, inviter les femmes, inviter les hommes. Nous allons parler des femmes des prophètes, les femmes des prophètes. Je pense que j'avais déjà eu à aborder le sujet une fois et vraiment c'était la guerre. Bonjour à Chimène Dongo, que Dieu vous bénisse. Bonjour prophète Shalom Onction Royal, que Dieu vous bénisse, bonne arrivée. David Amia, you are blessed. Jean-Philippe Niele, que Dieu vous bénisse. Fidèle abonné, s'il vous plaît, abonnons-nous et envoyons des cœurs. S'il y a une femme ce matin qui croit en l'onction maritale, qu'elle m'envoie les cœurs. Envoie-moi les cœurs, même si tu es déjà marié. Tu crois que Dieu peut restaurer ton mariage, le bénir, l'élever, envoie le cœur s'il te plaît. Il y a trop de choses à faire. Il y a tellement de choses à dire à ce sujet. Donc, les femmes, connectons-nous, partageons la vidéo. Bonjour, pasteur Clovis Tapé, que Dieu bénisse. S'il vous plaît, envoyons les invitations aux hommes de ceux qui viennent. Envoie les cœurs et pouces. Est-ce qu'il y a les femmes ici? Est-ce qu'il y a un club de femmes vivantes ce matin? Partage la vidéo au maximum de personnes. C'est là qu'il y a un propos introductif, un incipit, pour te permettre de pouvoir partager la vidéo. Et nous sommes à Douala et nous aurons 3 jours extraordinaires dans la ville de Douala en commençant ce soir. Dieu se manifestera puissamment. Et je voudrais exhorter toute la population de Douala d'être là. Ce programme commence ce soir, donc mardi, mercredi et jeudi. Et vendredi, nous aurons la nuit des flammes. Voilà, le thème, c'est l'onction supérieure, maritale et financière. Le Seigneur veut te toucher au point de tes besoins. Le Seigneur veut consoler ton cœur. Le Seigneur voudrait t'aider à traverser les limites que les ennemis de ta vie ont mises devant toi et pour que tu accomplisses l'œuvre de Christ pendant ton existence sur la terre. Donc, tu ne dois pas manquer à ce programme pour rien au monde. Tu ne dois manquer à ce programme. Donc, de partout, on va prier. Les malades doivent être là sur le plan sanitaire, on va travailler, le plan des finances, on va travailler, le plan du mariage, on va travailler. Donc, nous avons travaillé beaucoup sur le mariage à Yaoundé. Je vais m'apesantir un peu, beaucoup plus sur la bénédiction de Dieu dans l'œuvre de tes mains. Dieu doit te bénir.
Il faut que l'église soit bénie. Il faut que, vous savez, les gens se battent. Quand les gens viennent à l'église, comme ça, vous ne pouvez pas connaître comment les gens se battent. Parfois, les gens, les mamans sortent à 5h du matin pour aller se chercher et rentrent le soir chez elles, peut-être à 20h, 19h, 18h. Donc, les gens ont besoin d'être bénis. Et tu as besoin d'une parole de bénédiction, d'une déclaration de bénédiction dans ta vie, dans tes entreprises. Et si tu crois que cette parole de l'Éternel dans ma bouche est vraie, véritable et puissante, alors tiens mon invité, ne manque pas, à partir de ce soir, à Douala, Ndorbon, derrière l'immeuble Kamlay. Nous serons très nombreux là, et je sais que la main de Dieu manifestera sa gloire et sa grâce. Vous savez que nous sommes à Douala, c'est la ville économique, c'est le poumon économique. Donc c'est un homme d'affaires, un commerçant, une commerçante, une femme d'affaires. Vous avez des projets, vous êtes un fonctionnaire, dans tous les cas, vous avez des projets. Apportez ces projets, nous allons prier ensemble pour cela. Quel que soit le projet que tu as, un projet qui peut te bénir financièrement, bénir ta famille, t'aider à t'en sortir, alors tu viens avec ce projet. On va prier. Pendant ces 3 jours, tu verras ce que la main de Dieu fera. Vendredi, ce sera la grande nuit de flammes à Douala. Ce sera extraordinaire. Le mois passé, je n'ai pas pu être là à cause des occupations, mais ce mois, j'ai promis être là. Je suis là pour toute la semaine dans la ville de Douala. Donc, les habitants de Douala ne doutaient plus. Le prophète Kane Ferdinand est là. Nous commençons ce soir à partir de 16h. Nous serons en Ndorbon derrière l'immeuble Kamlay. Et la gloire de Dieu se manifestera de manière redoutable. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Donc, nous allons ce matin parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Dès à 10h15, nous on va lancer les hostilités. Voilà. Nous on va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. On va parler, chacun partagera peut-être son point de vue à la lumière des Saintes Écritures. Mais sincèrement, je pense que c'est quelque chose de très important. Les femmes des prophètes. J'ai hésité entre le titre « La femme du prophète » ou « Les femmes des prophètes ». Voilà, « La femme du prophète » ou « Les femmes des prophètes ». Ça revient même avec une petite nuance. Mais on va lire un passage biblique ce matin. La Bible dit dans Genèse chapitre 20, on va lire Genèse chapitre 20, partie verset 1, « Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadesh et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur. » Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Aïe. Merci Jésus. Merci parce que tu es vivant. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Voilà, je m'arrête là. Bon, la suite, je pense que chacun peut la lire à la maison. Mes amis, la femme du prophète ou les femmes des prophètes. Vous savez, la Bible parle de l'histoire d'Abraham. Ici, c'est une histoire fascinante. Quand vous la lisez attentivement, il y a tellement de belles leçons à apprendre et à tirer de cette histoire. Ouais, la Bible dit qu'Abraham fera un détour à Guérar, où le roi de Guérar va voir sa femme Sarah. Déjà, ce que la Bible nous enseigne ici en premier, c'est que Sarah était une belle femme. Elle était très belle. Et s'il y a de belles femmes ce matin qui sont en train de suivre ce direct, Sarah était une très belle femme. Et si on dit qu'une femme est très belle dans le mariage, une femme est très belle, ça veut dire que son mari était un vrai homme. Son mari était un vrai homme.
Parce que la beauté de Sarah ne lui venait nulle part d'autre que de son mari. Ça veut dire qu'Abraham était trop attentionné vis-à-vis de sa femme. Il prenait soin d'elle, il l'arrangeait. Et elle était tellement belle qu'il avait peur pour sa vie. C'est-à-dire qu'il s'appliquait à la beauté de sa femme. Donc, un prophète, si tu dis que tu es prophète ou homme de Dieu en général, prophète en particulier, et que ta femme n'est pas belle, il y a un problème. Il y a un problème, ça veut dire qu'il y a un problème sérieux. Ça veut dire que tu ne suis pas les pas d'Abraham. D'Abraham qui est le modèle prophétique du foyer prophétique des prophètes. Abraham est un modèle, c'est un exemple. Il nous montre comment un prophète doit prendre soin de sa femme. Donc, les femmes des prophètes doivent être belles. Et quand je parle de beauté, la beauté est d'abord relative. Il faut le savoir, il faut qu'on soit d'accord sur ce fait. Quand je parle de beauté, je ne parle pas surtout de la beauté physique d'abord. Je ne parle pas seulement de ça. C'est-à-dire que je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Qu'elle soit noire, qu'elle soit brune, qu'elle soit grasse, qu'elle soit mince, qu'elle soit blanche, qu'elle soit métisse, quel que soit son faciès, son aspect facial ou uxorilocal, il faut qu'elle soit belle dans sa condition, dans la condition où Dieu l'a créée et dans la condition où Dieu vous l'a donnée. Donc un prophète, ta femme doit être belle. Un prophète authentique et mature, sa femme est toujours belle. Je dis encore qu'elle soit grasse ou mince ou n'importe quoi, elle est belle. Quand on la voit, on reconnaît la beauté. Vous savez que parfois, tu peux voir une femme, tu dis non, elle n'est pas belle. Parfois, la pauvreté aussi fait que quelqu'un, la beauté ne sort pas complètement. C'est-à-dire qu'il y a un peu de beauté, la beauté qui reste dans le sang. Ça ne sort pas. Parce que quand vous le dites à la vérité, on dit la vérité, mes amis, l'argent est important dans ta vie. L'argent contribue à accomplir le plan de Dieu dans ta vie et l'argent contribue à ressortir la beauté d'un homme ou d'une femme. Il faut que les gens sachent ça. Une femme qui est pauvre ou un homme qui est pauvre, allez prendre mes photos. Au début, dans ma jeunesse, quand je croupissais dans la misère, la galère, vous allez vous demander si c'est moi, vous ne me reconnaîtrez pas. Pourquoi? Parce que quand vous dites ça en vérité, l'argent arrange, l'argent répare, l'argent embellit, l'argent enjolive. Il faut que les gens vous disent ça, il faut connaître cela. Donc une femme qui a l'argent est différente d'une femme qui n'a pas l'argent. Tu es noir, comme ça on te voit noir, pourtant tu es brune. Tu es très brune même, hein? Tu es même une métisse. Mais le problème, c'est que la pauvreté fait que, tu vois, la pauvreté a couvert ton teint. Ton vrai teint ne sort pas. Donc, l'argent est très important. Alors, laissons même ça. On va voir ces choses-là de soi. La Bible dit que Sarah était belle. Et la Bible dit, parce qu'il y a une nuance que je voudrais soulever dans le passage. Parce que quand tu lis la Bible, il faut la comprendre avec la sagesse du Saint-Esprit. La Bible dit d'abord que le roi de Guérard, Abimelech a enlevé. Il a enlevé Sarah. Il l'a enlevé. Mais après, lorsque Dieu conteste avec lui, il dit à Dieu que, mais quand moi j'ai demandé, il a dit c'est sa soeur. Et à elle, j'ai aussi demandé. Et elle a dit c'est son frère. Mais attention. Donc il ne l'a pas enlevé en réalité. Mais pourquoi la Bible dit-elle qu'il l'a enlevé? Pourtant, il ne l'a pas enlevé. Et il dit devant Dieu, je suis juste. Voyez. Donc, le premier point sur lequel on doit être d'accord, la femme d'un homme de Dieu doit être belle. Il ne faut pas qu'on le dérange. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu négligent leur femme. Beaucoup d'hommes de Dieu ne prennent pas soin de leurs épouses. Tu vois, l'homme de Dieu, il est bien épinglé. Vraiment, les dernières sorties de costumes, là, il a ça. Les derniers téléphones, high-tech, il a ça. Mais va voir sa femme. Donc, j'expliquais que quand vous lisez dans le passage, vous allez vous rendre compte que la Bible explique d'abord que Abimelech a enlevé. La première chose, c'est que la Bible explique que Sarah était très belle. Elle était très belle, était très jolie. Ça veut dire que quand vous la voyez, c'est une femme qui prenait soin d'elle. Et ça montre que son mari était quelqu'un de responsable, quelqu'un qui remplissait son devoir vis-à-vis de sa femme. Parce qu'un homme de Dieu doit chercher à ce que son épouse soit présentable. Qu'elle soit présentable parce qu'elle fait partie du label de son ministère. Elle fait partie de la marque déposée de son ministère. Quand lui-même, il est la marque déposée de son ministère. Donc, un homme de Dieu néglige sa femme, c'est un problème sérieux. C'est que parfois, le malheur que certaines femmes ont avec certains hommes de Dieu, c'est que lorsque tu croises l'homme de Dieu pendant qu'il est en train de se battre encore, pendant qu'il se bat pour pouvoir sortir la tête de l'eau,
Il est avec toi. Vraiment, il est avec toi. Il est attaché à toi. Il croit en toi, etc. Mais lorsque l'argent commence à entrer, la gloire vient, l'église commence à grandir, c'est où l'homme de Dieu ne partage plus tout avec sa femme. Partage plus tout avec sa femme. Parfois, la femme ne connaît même pas les entrées de l'église. Pourtant, dans la misère, vous avez tout partagé. La souffrance, vous avez partagé ensemble, la galère, ensemble, la pauvreté, ensemble, le rejet, ensemble, la honte, ensemble, etc., etc. Donc, toutes ces choses-là, vous les avez partagées. Ce qui était mauvais, vous l'avez partagé ensemble. Donc, quand c'est bon, vous devez aussi le partager ensemble. Ça, c'est très important. Parce que le succès du ministère de nom de Dieu dépend étroitement aussi de la façon dont il se conduit vis-à-vis de son épouse. Il faut que les hommes de Dieu comprennent cela. Parce que quand vous voyez un homme de Dieu réussir, vous pouvez vous dire simplement non, c'est le travail et tout. Non, il y a plusieurs paramètres. Plusieurs paramètres. C'est un peu comme un élève dans une salle de classe. Lorsqu'il a 20 sur 20 ou bien s'il a 15 sur 20 de moyenne là, ce n'est pas une seule matière. Il y a plusieurs matières sur lesquelles il a été noté. Dans d'autres matières, il a eu la sous-moyenne. Dans d'autres matières, il a eu une très forte moyenne. Et puis ça a comblé et il a eu 15 de moyenne. Donc, ça veut dire que un homme de Dieu doit comprendre que Dieu évalue sur la façon dont il se comporte vis-à-vis de sa femme. Donc c'est important que chaque homme de Dieu s'investisse. Ta femme doit être un point d'investissement. Tu ne dois pas compter ce que tu investis pour ta femme. Je ne parle pas de gaspillage, mais je parle parce que c'est ta gloire en fait. La femme est ta gloire en tant qu'homme de Dieu. Elle projette l'image de ton ministère. Ouais, en voyant ta femme, c'est un enseignement déjà pour les gens qui sont intelligents. On peut savoir que ça c'est un homme qui néglige sa femme, ça c'est un homme qui prend soin de sa femme. Mais parfois, la décadence, elle est notoire entre l'homme et la femme. L'homme de Dieu est très bien, le gars est habillé, mais sa femme, vraiment, le gars roule dans la Prado, sa femme, il lui achète une petite starlette. Ouais. Donc, c'est un peu ça que les gens n'arrivent pas à saisir. Abraham prenait tellement bien soin de sa femme que sa beauté était devenue légendaire et que tous les hommes enviaient la femme d'Abraham. Donc, sa beauté définit même un danger pour son mari. Donc, tu dois embellir ta femme, enjoliver ta femme, en sorte qu'elle devienne un danger pour toi. Donc, ça, c'est clair. Et Abraham, Sarah était attachée à son mari. Elle était attachée à son mari. Et la Bible dit que le roi Guérard, le roi Abimelech, pardon, va dire à Dieu que, mais attends, attends, je ne l'ai pas enlevé. Je suis allé en bonne et due forme. Je l'ai vu avec un homme. J'ai demandé à l'homme, c'est qui pour toi? Il a dit, c'est ma soeur, ma petite soeur. Et j'ai demandé à la femme, l'homme, si c'est qui pour toi? Et elle m'a répondu, c'est mon grand frère. Et j'ai dit, ok, j'ai donné la dot. Et j'ai pris la femme avec moi. Je suis un homme juste, tu ne peux pas faire périr. Un homme qui est juste, je n'ai point péché, je n'ai point agi par abus de pouvoir. Non, je ne suis pas abusé de mon pouvoir. Et Dieu dit, ok, je sais. Mais il y a une information qui est cachée dans la déclaration du roi Abimelech. Le roi Abimelech dit à Dieu que j'ai demandé à l'homme, il m'a dit que c'est sa soeur. Il y a la femme, elle a dit que c'est son frère. Ça montrait la complicité. La complicité qui existait entre Abraham et Sarah. Laissez-moi vous dire une chose, mes amis. Beaucoup de gens échouent dans le mariage et beaucoup de filles veulent se marier aux hommes de Dieu. Vous ne savez peut-être pas dans quoi vous vous engagez. Si le mariage sain, ça veut dire qu'entre personnes laïques, personnes saines, personnes normales, est devenu de plus en plus compliqué aujourd'hui, et avec les dérives sur les genres sexuels que nous avons dans le monde aujourd'hui, mes amis, il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, cette information, le fait qu'Abraham et Sarah se soient couverts mutuellement, montrait la complicité qui existait entre le mari et la femme. Dans un foyer, un couple où il n'y a pas de complicité entre l'homme et sa femme, ce couple sera malade. Et si le problème n'est pas arrangé rapidement, ça va aboutir au divorce. Il y aura la séparation. Vous savez, il y a ce que j'appelle la mort cérébrale sentimentale ou maritale. La mort cérébrale maritale, c'est lorsque deux personnes continuent à cohabiter, mais l'amour est mort dans leur cœur. C'est pas comme si vous prenez, vous voulez construire une maison sans ciment. Ce n'est pas possible, mes amis. Il faut le ciment. Et le ciment, c'est l'amour. Il y a des couples qui sont ensemble, mais l'amour, ce qui fait la beauté même du mariage, est mort. L'amour est fini. L'amour est fini dans le cœur. Et quand l'amour finit, ça ne vaut plus la peine d'être ensemble. C'est mieux de se séparer.
Parce que ça ne vous servira à rien. Vous ne pouvez pas bâtir le mariage sans amour. Ce n'est pas possible. Donc Abraham et Sarah étaient complices, c'était des complices, c'était les meilleurs amis au monde. Ils s'entendaient comme ça. Ils se sont couverts mutuellement. Ça montre la complicité. Donc cette complicité, cette amitié, ton mari doit être ton ami d'abord. Homme de Dieu, ta femme doit être ton ami. Femme, ton mari doit être ton ami. Vous savez, c'est important. Et pour que l'amitié puisse exister dans un couple, c'est-à-dire dans un mariage, il y a des éléments qu'il faut respecter. Il y a des lois qu'il faut respecter. La loi de la transparence, elle est fondamentale. L'homme doit être transparent envers sa femme, la femme doit être transparente envers l'homme. Parce que lorsqu'il manque de transparence dans le couple, la femme cache certaines informations, l'homme cache certaines informations, alors à partir de ce moment, même si l'autre ne découvre pas les informations que vous cachez, vous avez déjà brisé spirituellement une loi, le lien qui vous unit. C'est un peu comme si vous êtes sur une branche, vous prenez une scie, vous-même vous coupez la branche sur laquelle vous êtes assis. Vous vous attaquez, c'est un peu comme quelqu'un qui s'est battu pendant des années et qui a construit sa maison et qui maintenant, au lieu de continuer à embellir sa maison, commence à casser la fondation de sa propre maison qu'il a construite de sa propre main. C'est un peu ça. Lorsque les cachotteries commencent à entrer dans les foyers, alors à partir de ce moment, la destruction, c'est ça, le diable vient. Et je vous ai expliqué une chose. Vous savez, normalement, ce n'est pas Judas Iscariot qui devrait vendre Jésus. C'était l'apôtre Pierre. C'était l'apôtre Pierre. C'est-à-dire que dans le premier plan du diable, ce n'était pas Judas Iscariot. Non, ce n'était pas avec Judas Iscariot. Le diable voulait traiter avec l'apôtre Pierre. Que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Donc ce n'est pas Judas qui allait vendre Jésus. Non. Ce n'était pas dit avant que c'est Judas qui vendrait Jésus. Non. Il y avait une prophétie qui disait que Jésus allait être vendu. Mais il n'y a pas le nom de quelqu'un sur la prophétie-là. Donc celui qui allait être trouvé disponible pour la trahison, c'est lui que la prophétie allait choisir. C'est lui qui allait accomplir la prophétie en réalité. Donc je répète encore, ce n'est pas Judas Iscariot qui allait vendre Jésus. C'est l'apôtre Pierre. Vous savez Pierre que le diable a commencé à travailler, à collaborer. Vous savez que l'apôtre Pierre va appeler Jésus une fois. Il lui dira qu'à Dieu ne plaise, tu ne vas pas mourir sur la croix, rien ne t'arrivera. Et qu'est-ce que Jésus va dire à Pierre? Arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. Donc le premier apôtre qui a collaboré avec Satan, c'est-à-dire avec qui Satan voulait collaborer, c'était Pierre. Mais pourquoi est-ce que Satan a abandonné son plan avec Pierre? Ben, ça a commencé comme ça. Pourquoi est-ce que Satan n'a pas continué à travailler avec Pierre? Pierre aimait Jésus. Mais le problème de Pierre, c'est qu'il était trop transparent. Est-ce que vous comprenez? Pierre était trop transparent. Dieu disait tout à Jésus. Il ne lui cachait rien. Il n'était pas hypocrite. Donc, tout ce qu'il venait à cœur, il disait. Donc, le diable vient lui dire, ok, on va faire un plan. On va tout faire pour qu'il ne meure pas sur la croix. On va la faire de la croix, là, on va combattre la croix. Au lieu que Pierre garde le silence, Pierre est parti et il a dit ça à Jésus. Et donc, tout ce que le diable mettait dans son cœur, lui, il exposait ça et Jésus le guérissait. Donc, l'apôtre Pierre était trop ouvert. Et cette ouverture-là faisait que dans son cœur, il n'y avait pas de cachotterie. Et le diable ne pouvait pas se cacher donc dans le cœur de Pierre pour agir dans sa vie. Donc, le cancer du diable ne pouvait pas manifester sa puissance dans la vie de Pierre parce que Pierre disait tout à Jésus. Il lui disait tout. C'est ça. Dans un foyer où l'homme dit tout à la femme dit tout à son mari, le diable ne peut pas se cacher. Le diable ne peut pas se cacher. Il n'y a pas une relation maritale qui fonctionne sans vérité, sans véridicité, sans transparence, qu'on ne vous mente pas. Le faux usage de faux sentimental que les gens font ici dehors, c'est ça qui détruit vos mariages, commençant par les hommes de Dieu. Pourquoi Judas Iscariot a-t-il vendu Jésus? Parce qu'il était cachotier, les cachotteries. Il y a des gens, quand le diable lui mettait quelque chose à cœur, il ne parlait jamais. Il ne disait rien à Jésus. Il cachait à Jésus tout ce que le diable lui mettait à cœur. Et donc, le diable a dit, ah, voici quelqu'un, ça c'est mon confident ici. On peut faire le business avec lui. On peut faire le business avec lui. Ah, ça c'est un bon businessman. Je peux traiter avec lui. Parce qu'il me couvre. Parce que quand le mal vient dans ton cœur, ou une mauvaise pensée entre dans ton cœur, tu ne dis pas ça à ton conjoint, c'est la mort du coup. C'est le diable entre par toi pour détruire votre mariage en réalité. C'est ça.
Le diable entre pour détruire le mariage. Donc, un mariage où il y a des cachotteries ne peut pas réussir. C'est faux. Tôt ou tard, le mariage là va tomber. Les gens là vont se séparer. C'est impossible. On ne peut pas baser le mariage sur le mensonge, sur les cachotteries, sur l'hypocrisie. Non, on ne peut pas. Donc, le diable s'est rendu compte que Judas Iscariot, il veut faire affaire avec lui parce que Judas Iscariot était un homme cachotier. Toujours calme comme ça. Tu dis souviens, oui. Mais avec des choses dans son cœur, des mauvaises choses dans son cœur, des mauvaises pensées dans son cœur, des mauvaises actions en secret dans son cœur. Voyez, ce sont ces choses-là qui font que le mariage ne fonctionne pas bien aujourd'hui. Donc, les hommes de Dieu doivent comprendre cela. Abraham et sa femme, il n'y avait pas de cachotterie entre les deux. Quand il y avait quelque chose, Sarah disait à son mari et le mari disait à sa femme et j'étais complice. Ils se sont vus. Abraham dit, ok, quand on va arriver, quand le roi va venir là, quand il te demande que tu m'as petit, tu m'as dit que je suis ton grand frère. Vraiment, quelle complicité. Quel modèle de complicité. Et comment un mariage comme cela peut échouer? Ce n'est pas possible, mes amis. Ce n'est pas du tout possible. Donc, il y a ces règles-là qu'il faut que les hommes de Dieu apprennent. Ta femme doit tout connaître de toi. Et madame, ton mari doit tout connaître de toi. Vraiment, si tu ne peux pas tout dire à un homme, ne l'épouse pas, ne perds pas son temps. Tu ne peux pas tout dire à une femme, ne lui perds pas son temps. Laisse-la partir, let her go. Let her go. Tu n'es pas prêt pour le mariage. Le mariage, aucune relation maritale ne peut être basée sur le mensonge. Elle ne subsistera pas. Ça, c'est une autre chose, le mensonge dans les mariages, dans les foyers. Donc, il faut que nous soyons véridiques. Même quand bien même Abraham a dit au roi, c'est ma soeur, et la femme a dit, c'est mon frère, il disait la vérité parce que c'était sa soeur, en réalité. C'était sa cousine, c'était sa soeur. Donc, c'était la fille de son oncle. Donc, pour dire quoi? Leur véridicité dans leur mariage les a sauvés. Ça les a sauvés. Bon, l'autre point qu'il faut noter dans ce passage, c'est que Dieu dit à Gérard, à Abimelech, roi de Gérard, tu dois rendre cette femme à son mari parce que son mari est un prophète. C'est la femme d'un prophète. C'est-à-dire que la femme du prophète est sacrée. La femme du prophète est sacrée. J'ai envie, je ne sais pas quand je vais casser quelque chose dans la maison aussi d'abord. Mes amis, d'abord, le prophète est sacré d'abord. Ce n'est pas seulement la femme du prophète est sacrée. Le prophète est sacré. Le prophète doit être sacré. Le prophète, c'est quelqu'un qu'on n'aborde pas facilement. Ce n'est pas quelqu'un qui est toujours dans le peuple. Non, les prophètes, c'est les hommes du désert. Les prophètes majeurs, c'est les gens du désert. C'est des gens secrets. C'est des gens mystiques. Des gens mystérieux. C'est des personnes qu'on ne voit pas facilement. C'est des gens qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que le prophète, ce n'est pas quelqu'un que tu montes, tu vois le prophète là-bas, il est dans les bars, il est assis dans les bistrots, il est là dans les carrefours avec les prostituées, il est ici avec les mauvais amis, toujours en compagnie des gens en train de faire des beuveries. Ça, ce n'est pas les prophètes, mes amis. C'est le modèle de prophète moderne du 21e siècle. Mais les prophètes bibliques, les prophètes authentiques sont des hommes sacrés et secrets. Voilà pourquoi ces hommes sacrés et secrets en qui Dieu a investi son secret doivent avoir pour femmes des femmes qui sont sacrées. Des femmes sacrées. Des femmes qui ont la connexion. La femme du prophète doit être sacrée. Et ça, Dieu joue avec. Pour Dieu, Sarah était sacrée. Et Sarah était vraiment sacrée. Donc, lorsque la femme d'un prophète n'est pas sacrée, ça pose un problème réel. Ouais. Ça pose un sérieux problème. Parce que c'est quand même immonde de se rendre compte que la femme du prophète n'est pas sérieuse. La femme du prophète est menteuse. La femme du prophète est cachotière. La femme du prophète, en réalité, ne croit pas au ministère du prophète totalement, à 100%. La femme du prophète a des secrets dans son foyer. Pourquoi? Parce que ta femme, homme de Dieu, doit être un modèle pour d'autres femmes. Ta femme, c'est pas les la femme d'un homme de Dieu, mes amis, on ne joue pas comme ça. Voilà quoi, les hommes de Dieu ne doivent pas prendre le mariage à la légère. Non, il ne faut pas prendre le mariage à la légère. Il faut faire attention. Que Dieu nous garde, qu'il nous aide, qu'il nous sauve. Je veux parler aux femmes qui veulent épouser les prophètes. Les hommes de Dieu en général et les prophètes en particulier. Mes amis, vous ne savez pas dans quoi vous engagez. Je parle des vrais prophètes. Hein. Je ne parle pas des faux prophètes, des hommes là qui couchent avec des femmes, montent et descendent dans les boîtes de nuit, font des partouts, ou bien organisent des fêtes, boivent et fument, et puis se nettoient la bouche. Et à l'église dimanche, arrivent, se présentent comme des saints. Je ne parle pas de cette catégorie. Ça, ce n'est pas les prophètes là-bas, c'est les bandits.
ça c'est des bandits, c'est des mercenaires dans l'église. Non, non. Mais je parle des prophètes qui craignent Dieu. Pas des prophètes qui te tapent à la maison. Tu veux parler, ils te tapent, ils te givrent, ils t'interdisent de pleurer ou bien de monter ça dehors. Non, je parle des prophètes consacrés, des hommes qui portent Dieu. Donc mes amis, en tant que femme, je parle à toutes les femmes, parce que ces derniers temps aussi là, il y a une recrudescence de désir au milieu des femmes d'épouser les hommes de Dieu. Vous savez qu'il y a cela quelques années, quand tu disais à une femme d'épouser un homme de Dieu, elle te demandait, tu es malade, on m'a maudite. Est-ce qu'on m'a maudite? J'ai fait quoi à qui pour que moi j'aille épouser un prophète? Mais les temps ont changé. Dieu s'est souvenu de nous aujourd'hui. Maintenant, et tout le monde veut se mettre à épouser le prophète. Les femmes vont sur les montagnes parce qu'elles veulent épouser les prophètes. Mais je pense qu'il y a des paramètres que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas. Madame, épouser un homme de Dieu, consacré à Dieu, dans cette génération, c'est compliqué. Je ne te conseille pas ça. Je ne te conseille pas ça. C'est-à-dire que réfléchis 7 fois avant d'accepter épouser un homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, les hommes de Dieu, nous on est consacrés mes amis, nous on est vendus. Quand vous le voyez là, on est vendus, on n'a plus de vie que pour Christ. Et tu dois épouser une femme qui n'a plus de vie que pour Christ. C'est ça la réalité. Tu dois épouser une femme qui n'a de vie que pour Christ. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Je vous dis quelque chose, je vous dis la vérité. Et je vais vous dire quelque chose. Je pose une question. Celui qui répond, qui donne la bonne réponse, je lui donne un cadeau. Je lui donne un cadeau. Mais peut-être même, ma manière de parler, même déjà, vous mettra la puce à l'oreille. Je pose une question. Je vous dis une question. Vous répondez, vous me dites, vous dites que c'est telle chose. Et vous donnez le pourquoi. Je vous pose donc une question. Pourquoi l'autre s'est séparé d'Abraham? Pourquoi est-ce que le feu est tombé à Sodome et Gomorre et que l'autre est sorti avec sa famille de Sodome et Gomorre? Pourquoi s'est-il séparé d'Abraham? Pourquoi l'autre s'est séparé d'Abraham? Qu'est-ce qui s'était passé? La cause c'était quoi? Donnez-moi la réponse. Donnez-moi la réponse avec les preuves. La cause de leur séparation c'était quoi? Et pourquoi est-ce que l'autre est sorti de Sodome et Gomorre sans plus rien? C'est pourquoi? Dites-moi la vérité. Répondez-moi. Celui qui a l'esprit de Dieu, répondez en commentaire, je veux voir ceux qui ont l'intelligence de Dieu en nous. Pourquoi l'autre s'est séparé d'Abraham? Pourquoi il est sorti les mains vite de Sodome et de Gomorre? Pourquoi le feu est descendu à Sodome et Gomorre? C'était pourquoi? La vraie cause, c'était quoi? C'était quoi? Je vais répondre. Écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi bien. J'ai mal en vous donnant ces réponses. J'ai mal. Parce que je suis en direct, sinon j'allais pleurer. J'ai mal. J'ai mal. Un homme de Dieu doit épouser une femme qui est consacrée comme lui. Il y avait la servitude. Si tu es consacré, il te faut une femme consacrée. Mon ami, si ta femme n'est pas consacrée, tu es mort. Tu es par terre. La même chose, une femme qui sert Dieu, qui va épouser un homme qui n'est pas consacré comme elle, c'est fini. C'était la concurrence et le manque de respect. L'autre était très gourmand. Il désirait une terre plus belle et prospère. Non, c'est pas ça. Parce qu'il a vu le beau paysage. Non. Ok, je vais vous répondre. Écoutez-moi bien, écoutez bien. Lot a échoué dans son ministère. Il s'est séparé de son père. Il a tout perdu. Pourquoi il a échoué dans la vie, dans son ministère? Parce qu'il avait une mauvaise femme. Parce qu'il avait une mauvaise femme. Non, 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 c'est pour la convoitise, ce n'était pas la convoitise. L'autre n'était pas une mauvaise personne, il avait une mauvaise femme dans sa maison. Le comportement de l'autre était influencé par les conseils que sa femme lui donnait. La mauvaise influence de sa femme sur lui, c'est ça qui l'a fait échouer. Lorsqu'un homme de Dieu a une mauvaise femme, il va échouer dans le ministère. La mauvaise influence de la femme, c'est à cause de sa femme. Il avait une mauvaise femme. Quelqu'un va me demander... C'est pas une gourmande. L'autre n'était pas mauvais. L'autre était quelqu'un de bien. On n'a jamais entendu qu'il a manqué respect à son père ou bien non, 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 non. L'autre était quelqu'un de bien, mais il a épousé une mauvaise femme. L'échec du ministère de l'autre est venu de sa femme. Il a fait un mauvais mariage. Il a épousé une mauvaise femme. La preuve, j'ai demandé la preuve. Ne dites pas que j'ai trouvé. La preuve, c'est quoi? La Bible ne parle pas de ça. La preuve, c'est quoi? Hein?
Les gens disent que, bon, j'ai trouvé, bravo. Mais la preuve, c'est quoi? La preuve, c'est quoi? La preuve, c'est quoi? Pour étayer ce que nous sommes en train de dire là. Je vous donne la preuve, parce que je ne vois pas les gens qui donnent la preuve. Vous vous souvenez, lorsque Lot est sorti de Sodome et de Gomorre, avec sa femme, ses filles, et que Dieu leur a dit de courir vers la montagne sans se retourner. Quand ils couraient, la femme s'est retournée. Elle s'est retournée pourquoi? À cause de tous les biens matériels et financiers qu'ils avaient laissés dans Sodome et Gomorre. Son cœur était attaché à ces biens qui étaient restés à Sodome et Gomorre. C'est pour ça que Dieu a fait d'elle une statue de sel. C'est dangereux lorsqu'un homme de Dieu épouse une statue de sel. Le cœur de cette femme est attaché dans les richesses de la terre. Voilà pourquoi elle n'a pas supporté cette injonction de Dieu de courir en ne regardant pas à ce qui est en arrière. Ça montre la séparation complète et radicale d'avec ton passé, d'avec toutes les choses que tu as vécues dans le passé, la vie mondaine, la vie de péché, la vie de débauche, dans tous les cas, vous comprenez. Tu dois épouser une femme qui est complètement séparée de son passé. Pas une femme qui de temps en temps regardera à son passé. Va pleurer pour son passé. Va se plaindre pour son passé. Non, non. Va vous ramener toujours en arrière par rapport à son passé. Va être influencé par son passé. Ce qui a tué le ministère de Lot, c'était sa femme, une mauvaise femme. Une femme qui était rattachée au bien de la terre, au bien mondain, à la mondanité. Un homme consacré qui épouse une femme mondaine, son ministère va finir comme celui de Lot. Il sortira bredouille à la fin du ministère, il n'aura rien. Parce que c'est ce que j'appelle les femmes statues de sel ou les hommes statues de sel. C'est des personnes que tu épouses mais qui ne sont pas complètement converties. Ils ont l'apparence de la piété, l'apparence de l'amour de Dieu, la sainteté, mais il y a encore des choses qui les relient à leur vie passée. Ce genre de personne constituera un danger pour ton ministère. Et il faut que les femmes, les servantes de Dieu puissent aussi comprendre cela. Ça ne concerne pas que les hommes seulement. Ça concerne aussi les femmes qui servent Dieu. Parfois, le diable peut t'envoyer quelqu'un qui a toute l'apparence d'aimer Dieu, etc. Tu épouses la personne et c'est à l'intérieur que la personne commence. L'autre, sa femme lui a dit, tu fais quoi avec lui? Il est riche, tu es riche, il est riche. Et beaucoup de mes fils, je parle par expérience, beaucoup de mes fils m'ont été déloyaux. C'est-à-dire quand ils étaient célibataires, ils étaient loyaux. Mais quand ils se sont mariés, ils sont devenus déloyaux, ils sont allés faire le ministère. Ils sont partis sans rien me dire, sans te revoir, ils sont partis. Pourquoi? Mais ça saute aux yeux, mes amis. C'est leur femme. Quand il n'y avait pas la femme, le gars était sage, il était soumis à son père. Dès qu'il se marie, bam, il fait des choses que tu ne peux plus comprendre. Pourquoi? Ça signifie quoi? La femme. La femme, mauvaise conseillère. Quand tu épouses une mauvaise femme, elle te donnera de mauvais conseils pour le ministère, envers les gens, envers ta famille, etc., etc., etc. Et ça va te détruire. Donc, la femme de Lot a dit à Lot qu'on reste en commun avec Abraham. Pourquoi? On reste avec lui pourquoi? On est riche. Hein? Toi et lui, là, tu le dépasses même déjà en richesse. Il ne peut rien te dire. Tu le dépasses. Partons. Dis-lui que tu veux partir. Hein? Si aussi te demande, dis-lui que non, je veux plus rester avec toi, on part. Hein? Regarde Sodome Gomorre. Si te demande, si moi je te parle comme ta femme, parce que toi tu ne m'écoutes pas souvent. Si te demande, quelque côté, choisis les plaines de Sodome et Gomorre. Parce qu'elles sont un peu comme un jardin de Dieu. On part là-bas. C'est sa femme qui l'a envoyé là-bas. C'est ta femme. Est-ce qu'il ne savait pas que non, vraiment, en tant qu'un hébreu, il se marie entre eux? Ils sont allés à Sodome et Gomorre. Les filles de Lot ont épousé les hommes de Sodome et Gomorre. Lot, pourquoi il n'a pas envoyé regarder dans la maison d'Abraham? Sa femme. Sa femme, pourquoi? Parce qu'elle était friande des choses matérielles. Des choses matérielles, des biens matériels. Ah non, le gars là, son père, il a l'argent. Oui, donnons-lui la fille. La fille vient, l'enfant, il y avait un gars qui n'a rien. Elle dit, ah non, il n'a rien. Ah non, non, non. Une femme matérialiste. Un non matérialiste, c'est un poison pour le ministère. Ça, une mauvaise femme est source de destruction du ministère. Un mauvais mari est. En tout cas, le mauvais mariage empoisonne ton ministère. Bah, tu n'auras plus la concentration devant Dieu. Puisque c'est ta chair. C'est la seule chose qui est dans ta chair, en fait. C'est dans ta chair.
Tu pourras plus te concentrer bien, tu vas plus bien écouter Dieu, tu pourras plus bien prier, tu pourras plus lire la Bible. Pourquoi? Parce que tu es tourmenté dans ton cœur 24 heures sur 24 à cause du mariage. Pour moi, je pense qu'il faut que les gens comprennent cela. Le message, je vais revenir sur ça demain encore, la femme du prophète. Il faut faire attention, faisons attention. Si tu es consacré, épouse un homme consacré. Si tu es une femme consacrée, épouse un homme consacré. Si tu es un homme consacré, épouse une femme consacrée. Une femme en qui il n'y a pas de traits du passé. Un homme en qui il n'y a pas de traits du passé. Mais si tu épouses un homme, tu es fiancé à un homme, mais de temps en temps, le monsieur répond au téléphone avec ses ex. Tu le supplantes, il parlait encore avec ses ex, ou je ne sais pas trop. Bon, ou bien avec ses amis avec qui il partait toujours boire. Mais il dit qu'il est enfant de Dieu aujourd'hui. Il veut t'épouser, madame. Toi, tu es appelé au ministère. Le gars va t'épouser, mais il est encore en contact avec ses amis avec qui il partait boire. Il menait la vie mondaine, la vie de saleté. Il n'en a pas fini, mes amis. Madame, réfléchis bien. Prends ton temps. Réfléchis bien, parce que c'est dangereux. Réfléchis bien, c'est dangereux. C'est des signes qu'il ne faut pas négliger. Observe-les. Prie. Regarde bien dedans. Prie. Et attends-toi à Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Attends-toi à Dieu. Donc voilà, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Malheureusement, la connexion nous a vraiment trop dérangé ce matin. Et je vais revenir demain. On va continuer avec la femme des prophètes parce que je n'ai même pas encore commencé. Et Dieu nous aidera. Que Dieu nous aide. En ce temps où nous prions pour le mariage, que le Seigneur nous bénisse, qu'il te stabilise au nom souverain de Jésus de Nazareth. Qu'il te donne une bonne personne, un bon mari, une bonne femme. Et nous sommes à Douala. Nous avons le grand programme qui va commencer ce soir à partir de 17h. Bon, je commence à 17h, donc 16h, il faudra être là pour voir une bonne place. Si vous êtes dans la ville de Douala, venez, ça sera très fort. Bon, je vais toucher un peu le mariage et plus prier pour les finances. Tu dois être béni, mon ami. Il faut que tu sois béni. Dieu doit te bénir. Il faut que ta famille te respecte. Il faut qu'on respecte le Jésus que tu sers là. Homme de Dieu, il faut qu'on respecte ton Dieu. Ah, tu fais le ministère. On regarde ton ministère, c'est la galère. Les gens ont même peur de venir à l'église parce qu'on se dit que, mais attends, celui-ci nous bénit, lui-même il n'est pas béni, comment? Donc je pense qu'il y a un déclic que Dieu veut provoquer dans la vie de quelqu'un. Je veux dire à ceux qui ne seront pas là d'être connectés en direct, on va prier ensemble. Hein, vous serez connectés, on va prier. Hein, vos vies seront impactées par la puissance de la prière prophétique. Et je sais que chacun de vous recevra de Dieu un héritage qui demeurera jusqu'à sa mort. Pour le reste, le Seigneur disposera toujours comme il voudra. Et que le Seigneur vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Bye.